Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Réflexion, aujourd'hui nous sommes le 19 juillet 2024. Nous sommes là encore une fois de plus avec beaucoup de plaisir parce que nous allons encore réfléchir sur notre pays. Nous allons encore réfléchir sur la marche de notre pays. L'actualité est abondante. On n'a pas pu faire cette tranche-là réaction parce que nous avions pensé qu'il était bon à ce que nous puissions réfléchir. La réflexion, c'est la mère de notre science. La réflexion, c'est ce qui nous pousse à cristalliser notre vision pour la réalisation de cette vision-là. Nous ne pouvons pas faire des choses au hasard, nous ne pouvons pas faire commencer à aller à des coq à l'âne lorsque nous sommes à la tête de notre pays. Donc, nous avions jugé aujourd'hui de réfléchir sur quoi aujourd'hui, mes chers amis. Nous allons réagir, nous allons réfléchir sur ce qui se passe dans notre pays. L'actualité est tellement abondante, nous allons prendre d'abord, dans un premier temps, réfléchir sur la conséquence de toute cette cacophonie que cause l'IDPS et la marche de l'IDPS. On dit souvent que l'IDPS, c'est le parti au pouvoir dans notre pays. Dans notre précédente émission, nous avions parlé de l'inconstitutionnalité de cette allégation que nous disons l'IDPS est à la tête de notre pays. Nous avions montré, si vous ne m'avez pas encore suivi, nous avions montré vraiment avec beaucoup d'arguments que c'est à tort et à travers qu'aujourd'hui nous pouvons dire que l'UDPS est à la tête de notre pays. Est-ce que c'est la politique qui nous dirige ou bien c'est une vision que nous voulons réaliser pour à ce que nous puissions avoir le développement dans notre pays? Donc aujourd'hui nous allons prendre ça, nous allons réfléchir sur ça et nous allons réfléchir aussi sur la trêve de cette guerre, la trêve annoncée par les États-Unis, que cette trêve d'arrêt de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, quelles sont ses conséquences? Est-ce que cette trêve-là est acceptée par tout le monde? Est-ce que cette trêve-là est effective? Nous allons réfléchir et nous allons donner notre point de vue. Nous allons vous donner qu'est-ce qui se passe effectivement sur terrain. Nous aurions voulu à ce que nous puissions vous montrer des images montrant que cette trêve-là n'est pas respectée, mais compte tenu de l'atrocité des images qui nous arrivent, nous ne pouvons pas vous les diffuser sur cette chaîne au vu ou avec beaucoup, disons, en conséquence où nous allons voir peut-être sanctionnés par YouTube et Facebook parce que ce sont des images très atroces. Donc, et à plus de cela, nous allons réfléchir donc sur cette trêve et puis l'AFC. Qu'est-ce qui se passe exactement à Boutembo? Comment est-ce que les gens sont en train de vouloir torpiller ou vouloir faire des allégations que l'AFC ou bien le M23 est en train de faire des massacres? Nous avons des révélations, peut-être que nous allons dire ça dans cette émission, où nous vous montrerons que ce n'est pas le AFC qui est en train de commettre ce massacre-là. Il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres alternatives ou bien aléas avec l'armée ougandaise, avec les ADF. Et finalement, la population de Boutembo se pose la question, où est-ce que nous allons? Est-ce que ce ne sera pas une meilleure chose d'accueillir cette M23 ou bien l'AFC? Ou qu'est-ce que ça empêche, quelles sont les conséquences de cette avancée de l'AFC ou bien du M23 dans la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, mes chers amis, comme d'habitude, dans Réflexion, nous prenons le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous allons revenir pour développer le sujet. Si le temps nous le permet, nous vous donnerons aussi les explications sur la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Comment est-ce que cette rétrocession peut résoudre beaucoup de choses et remettre le pays sur le rail de développement? Si vous n'êtes pas encore abonné, vraiment, je vous prierai de prendre une minute. Ce n'est pas coûtant, ça ne vous coûte absolument rien.
Mais si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour que vous puissiez savoir l'évolution, comment nous continuons à expliquer cette rétrocession du pouvoir au niveau de la base, comment elle peut sauver notre pays. Prenons donc le grand titre à la une et revenons pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. On voit Kisangani, conditions difficiles des centres de santé à Kabondo. Et RDC vers l'organisation des élections législatives à Massimanimba, Yakoma et les territoires qui n'avaient pas voté. Nord Kivu, un lot de médicaments doté à l'hôpital général de référence de Beni par les casques bleus. On va sur actualité.cd, l'inauguration du barrage hydroélectrique de Kakobola-Kwilu prévu dans 2 mois. Déficit énergétique, la RDC obligée d'importer l'électricité notamment de la Zambie, de l'Angola, de l'Éthiopie et même de la Centrafrique. Équateur, all pas surpris par la convocation de 2 journalistes par le parquet de Mbandaka. Congo port profond, le tamoul babylonien, un pilier des traditions juives. Le travail, un moyen, pas une fin en soi. Le RDC, le taux fourniture en électricité passe de 15% en 2023 à 19% en 2024. 7 sur 7, la Chine décide de poursuivre son aide humanitaire aux victimes des guerres de l'Est. Et Beni, 21 personnes tuées par les ADF à Batangi Mbau en l'espace de 4 jours. Enfin, est de la RDC, la trêve humanitaire prolongée de 15 jours. On va terminer par Radio Okapi. Guerre de l'Est, la RDC et les USA prolongent de 15 jours la trêve humanitaire. Général Eddy Kappen, des soldats sont là pour protéger le pays à chaque fois que la menace est signalée. Inauguration d'un laboratoire de plantation et huilerie du Congo. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà donc mes chers amis, en tout cas vraiment je suis encore ravi parce que effectivement vous réagissez beaucoup, vous montrez cette importance, donc vous portez intérêt à ce que aux réflexions que nous vous amenons chaque semaine, chaque mois et comment nous vous expliquons nos points de vue sur beaucoup de sujets sur cette chaîne. Qui devient de plus en plus une chaîne de masse. Nous vous prierons d'abord avant toute chose pour vous qui n'êtes pas abonné, j'insiste encore une fois de plus, abonnez-vous. Ça ne vous coûte absolument rien, c'est free, mais le sujet, c'est ce qui est très très important pour nous. Pourquoi nous sommes venus sur le net pour vous expliquer nos points de vue qui pourraient peut-être servir à d'autres personnes, à d'autres partis politiques, même à l'AFC qui vient. Est-ce que nous ne sommes pas encore de répéter les choses qui ne nous avancent presque pas? Alors, on va prendre le premier sujet. Le sujet ici qui est ce qui se passe, toute cette cacophonie, tout cet imbroglio qui se passe à l'UDPS. Bandeko, l'UDPS est en train de nous montrer ses limites. Ses limites, pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas être dirigés par des gens qui ne s'entendent pas, qui ne savent pas où est-ce que le pays va. Nous n'avons aucune idée de ce que le pays sera en 2025, 2026, 2027. On se contente à naviguer à vue. Donc, nous sommes là, nous n'avons pas des choses que nous voulons faire. Nous avions suivi le discours du président de la République. Il a parlé des choses, vous en connaissez. Est-ce que c'est tous les Congolais qui commencent un peu à se dire, voilà maintenant, nous aurons la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Mais plutôt, on se justifie de plus en plus en disant que si notre pays ne va pas, c'est parce que les Rwandais nous attaquent, c'est parce qu'il y a ceci. On trouve toujours des justifications. Nous avions vu un nouveau gouvernement qui s'investit, c'est comme si
les choses recommençaient à zéro. C'est comme si le gouvernement précédent n'a absolument rien fait. Et ici, je veux parler d'une chose, le projet des 145 territoires. Nous vous avions dit que ce projet-là ne pourrait pas marcher. Aujourd'hui, le gouvernement s'approprie ça en disant qu'ils vont continuer sur cette histoire-là. Donc, ce n'est plus dans le même format que le gouvernement Sama a commencé, mais c'est sous d'autres formes. Le financement, l'argent sorti, tout ça, on ne fait plus allusion. Les ministres qui sont entrés, on commence à nous montrer les méfaits des autres, ce que les autres n'ont pas fait. Et nous remarquons que ce n'était que du l'air. On nous trompait, on est venu avec... On n'est pas allé dans le fondamental. Et tout ça est causé par qui? C'est par ces dirigeants qui viennent d'où? Qui sont au pouvoir et qui est à la tête de ça? C'est le président Félix Antoine Tshilombo. Tshilombo est à la tête de ce pays, ça fait à peu près 6 ans. Ça va faire 6 ans plus que... parce que son mandat de 2019 à 2024. Et puis aujourd'hui, nous sommes en 2024, donc c'est à peu près une affaire de 6 ans. Et le pays ne fait que recommencer à zéro. Parlons-en maintenant de d'où vient le président de la République. Le président de la République vient d'un parti politique qui a lutté pendant longtemps, plus de 40 ans, dans l'opposition. Quel est le rêve que l'IDPS avait pour faire ce pays? On va nous parler que non, ils ont rencontré des problèmes, ils ont fait ceci, il y avait Kabila qui bloquait, il y avait d'autres personnes qui... Non, ça ce sont des faux fouillants. Moi, je pense qu'un parti politique qui a lutté pendant longtemps, ils doivent avoir en principe formé ses membres, ils doivent avoir déjà affûté ses armes en se disant, lorsque nous arriverons au pouvoir, qu'importe la situation que nous trouverons, mais voici les solutions que nous apporterons. Mais notre président de la République, venant de l'UDPS, il s'est dérobé de l'UDPS. Est-ce que c'est sa faute? Non, ce n'est pas sa faute. La Constitution elle-même nous dit que lorsque quelqu'un arrive à la tête du pays, il cesse d'être un membre d'un parti politique. Il devient le président de tout le monde. La Constitution le dit. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui à l'IDPS n'est qu'une distraction de plus. Et on est en train de distraire qui? On est en train de distraire celui qui est au pouvoir. Et celui qui est à la tête de notre pays, c'est sachant de l'IDPS, ils ne savent pas quelle est la politique qu'ils vont appliquer. On a vu, il y avait, oh non, le président voulait encore essayer un peu d'être avec le PPRD, tout ça, et tout ce bon monde-là s'est secoué pour qu'il puisse entrer au gouvernement. Et là, c'est là où nous avions vu que le président n'avait pas le manette, ou bien le parti politique en question n'avait pas le manette, parce qu'il y avait l'impréparation, il ne savait pas quoi faire, il venait pour résoudre les problèmes actuels. Mes chers amis, le problème que vous voulez résoudre, ce n'est pas le problème d'emploi ou quoi que ce soit, c'est un problème organisationnel. Quelle est la vision que vous allez implémenter? Avez-vous du gâte pour implémenter cette vision-là? Et cette vision-là ne peut venir que dans une organisation comme le parti politique. Quelle est la vision que l'UDPS avait pour que le pays puisse marcher? Quand vous venez et que vous dites que non, vous avez gagné aux élections, si même vous n'avez pas obtenu la majorité, mais c'est vous qui êtes les leaders. Même si Kabila Ndemutwa Tikela Kabino Nani Mboka na Maboko, mais déjà, vous devriez déjà vous armer en disant voici le problème, parce que vous connaissiez le problème depuis 37 ans, depuis 40 ans. Vous connaissiez le problème, vous aviez étudié, vous vous êtes dit voilà ce qui ne marche pas, nous nous sommes révoltés pour qu'il y ait un état de droit. C'est cette vision-là que le président de la République est venu avec en disant un état de droit devrait en principe faire marcher notre pays. Est-ce que cet état de droit a été implémenté? Question mark. C'est une question qui est restée vide de sens. L'état de droit n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de soubassement. Faudrait-il que vous allez implémenter cet état de droit avec une administration saine? Comment est-ce que l'appareil judiciaire va fonctionner pour finalement éclore cet état de droit? Il n'y en avait pas. On se penchait, on disait que non, Congolais a qu'à souffrir, Congolais a salaboué, Congolais a lié à Kate, résolvons d'abord les problèmes.
Beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses sur la direction ou bien quand le président prend le pouvoir, comme lui-même n'avait pas un plat, comme là où il venait, il y avait tout simplement de la cacophonie, il n'y avait pas moyen d'implémenter quoi que ce soit. C'est pour cela que nous disons, même cette cacophonie qui se passe à l'UDPS, c'est cette même cacophonie qui est à la tête de notre pays. Et nous condamnons cela en disant, Bandeko, que ceci ne se répète plus. Biloko yo, to prepara kayango malamu. Ba parti politique o eza koloba ke non, ngai Fayulu, ngai Katumbi, ngai ensemble, tous ces partis politiques. Moi, je pense que ce sont des coquilles vides. Absolument, il n'y a absolument rien là-dedans. Et là, comment ko eza na katite na kuna na ba parti politique wana. Ce qui atta tozui Katumbi lelo à la tête de notre pays, ce n'est pas le plan de l'ensemble qui sera réalisé. Ensemble, est-ce qu'il y a des problèmes en Boka? Moi, je ne suis qu'en train de réfléchir. Je ne condamne pas les gens ici. Même à ta parti politique, Moussousou, oh, Fayoulou, Essidé, tout ça, ces gens-là, au cours de la campagne, ils nous ont exhibé des textes. Mais ont-ils le moyen d'accomplir ces textes-là, ces visions-là? Est-ce qu'ils sont en train de le préparer, de le munir en disant, même si nous allons refonder le Congo, comment est-ce que nous allons y arriver? Je parle ici d'un parti politique qui prônait la refondation du Congo. D'autre part, on nous parlait de personnalité. On a dit que non, nous devons avoir une certaine personnalité forte à la tête de notre pays. D'autres personnes commencent à dire que non, Kabila était bien, il faut que Kabila rentre. Est-ce que Kabila, là où il est en train de réfléchir sur la solution globale de notre pays? Est-ce que Fayoulou, là où il est, est-ce qu'il est en train de réfléchir sur la solution globale de notre pays? Ce qui va pécier Mboka Lelo, à Kobandela Wapi. On va parler que non, la guerre est à l'Est, il faut d'abord terminer cette guerre-là. Bandeko, ata toke na mando ki kuna, kosili sa guerre, ça va nous prendre du temps. Il faudrait que nous puissions avoir des signes, quelque chose que nous allons implémenter. Guerre wana kosila ndengenini. Quelle est l'origine de cette guerre-là? Nous avons suivi beaucoup de gens développer des théories en disant Mboka Oyo, la guerre a commencé, nous avons les Rwanda qui nous attaquent, l'Ouganda qui nous attaque. Ça, c'est un faux fouillant. Restez avec moi si vous n'êtes pas encore abonné à Vonembou, parce que vers la fin de l'émission, je vais vous donner ma propre solution. Ce que je pense de ce qui peut être le problème global pour que nous puissions finalement reconnaître ou bien remettre le pays sur le rail du développement. Quelles sont les choses par lesquelles nous pouvons toucher? Et là, quand on est en train de faire ça, quels sont les points qui peuvent montrer les signes qu'il y a un apaisement, les gens puissent rentrer et commencer à développer le pays? Donc, pour conclure cette réflexion dans Gaïa Makambo et Zako le Kana Naï de Pes, j'ai dit que ça c'est un faux fouillant, c'est une distraction de plus que état des droits finalement Zalaté. Tout le monde finalement qui était au temps de Kabila ont été multipliés ou accentués ou batouba profita qui n'a pas ba oba miyibi ba Zako yiba batounyo soana ba sali mangengenge oba sala kakaka. Il n'y avait pas de solution globale de la République démocratique du Congo. Mais en 2021, nous avions vu que le président Aeko Situkalobino, développement Mboka, il faut bandana 145 territoires. Nous avions déjà parlé de ça depuis le commencement de cette tranche de contact pro live. Nous avions dit que la solution globale de notre pays ne viendra pas d'un développement, d'une construction d'un pont ou bien d'une route. Non! Nous devons prendre le pays en entièreté. Donc, restez avec moi. Lorsque nous terminons tous ces sujets, nous allons vous donner nos points de vue et comment nous pouvons développer le pays au niveau de la base. Alors, donc en conclusion, à Makambo, Ezako Salemana, IDPS, va changer Kabouya. Basa la boye. Conséquence na yango eza nini? Bandeko. Même si Kabouya partait aujourd'hui, et que baguerre wana sili et comme que non parti wana et comme na mutu muswa comme ko dirigeant, je vous promets et je vous dis, à un certain moment, ça sera le président de la République lui-même qui sera chassé, même avant la fin de son mandat, parce que le peuple en aura marre. Batubaza ko wele laba kende koyiba, donc on n'a pas changé la situation.
après Kabuya, qui d'autre le membre de l'UDPS vont changer? Alors, ça appartient à qui a changé cette histoire-là, ça a changé la donne. Ça appartient au président de la République à réaliser, et loko oto zakoloba, yako apaiser batu. Il faudrait que nous puissions désescalader cette tension qui règne en République démocratique du Congo. Et cette impression-là, où le Congo n'existe pas, puisse partir. Et que les Canadiens n'y bande konangaye. Et c'est par là que nous nous sommes dit. Le président a du pain sur la planche en disant, il faut qu'il regarde le Congolais dans les yeux en disant, voici les problèmes bande konanga, ils ont problème nangate, ils ont problème à IDPST, ils ont problème à Mboka Mobimba. Mais Mboka Mobimba, solution, on a bandi que Rigo kende bien, yango oyo. Et c'est cela que nous nous disons, nous développons cette idéologie à Koloba, développons le pays au niveau de la base, en rétrocédant le pouvoir. Et ça, question à pouvoir. Nous ne pouvons pas retenir le pouvoir pour le pouvoir. Le président ne peut pas se plaire à être là pendant qu'il y a la guerre, qu'on est en train de tuer les gens à l'Est, ou bien l'insécurité gangrenant à Kinshasa. Kwamu Tukotoyo, Babiloko, le problème est belé, on est à déstabiliser Bissot et Zalinan. Comment est-ce que nous pouvons y parvenir? Yakosil Samakambwana. Yangwananga Nazako Ebisabino. Tozolo bela makambwana, c'est comme cela nous nous disons, réfléchissons et réfléchissons bien pour une solution globale de la République démocratique du Congo. Cette solution de base viendra comment? Elle viendra par une certaine réflexion. Il se bat non, est-ce que tu es pour la négociation? Non, négociation, toko négocier nani, toko négocier na Rwanda. Moi j'ai dit que non, ce n'est pas le Rwanda qui est notre problème. Notre problème est en interne. Et Zabi Somokonanu, c'est à nous de trouver cette solution-là. C'est à nous d'avoir une position claire en disant, voici comment est-ce que nous allons gérer notre pays. Voilà, Bande Konangai, Likambwa, IDPS, Yangwana. Nabanzike, en tout cas, continuez à être avec moi pour que Tobanda ko développa kaba makambwana nyoso. Alors, deuxième sujet, Otolingeto Lobela Nango Lelo Ezali. Likambwa Est, il y a République démocratique du Congo. L'Est, ça brûle. L'AFC est en train d'avancer petit à petit avec Isir, Yakolo Bakeno. Bato Bazana Kinshasa, Ata Bazo Sala Mangungu, Ata Bazo Sala Boye, Bazo appliqué la solution. Te. Et là, comment vous avez AFC Zanango et Zakolo Bango Balingi Bitumbate? Ils ne veulent pas la guerre. Mais ils veulent une solution négociée. C'est-à-dire qu'ils veulent négocier avec Kinshasa. Mais qu'on négocie on a na Kinshasa, problème est Zanini. Ce n'est pas qu'ils veulent négocier avec Tshisekedi. Pourquoi ils veulent négocier avec Tshisekedi? C'est parce que peut-être na Mutu na Bango, ils veulent aussi avoir le part du gâteau. Na Batu o baza ko accompagner Bango. Ils n'ont pas pris les armes pour prendre les armes, non. Ils ont pris les armes parce que la situation à Mboka Nabiso Ezama B. Tout le monde veut vous dire aujourd'hui que Mboka Ezama B, Mboka Ezokenema B. Ce n'est pas simplement l'IDPS. Mais tout le pays est à mal. Et loko moko ya malonga ezalite. C'est comme cela que cette guerre-là a éclaté. Ce qui bango bazako sala nengwana bazako avancé batali bazo avancé maleme ils sont en train de convaincre petit à petit la population bato bazana ruchuru ba makambo ba tiweri wana sili ba makambo a trakaseri na nzela sili ba komi kolala malamu ils vont commencer à adopter cette attitude de AFC bakoloba non ba onde ba mokonzi ba o ba kombozi ils sont venus nous libérer effectivement. Les d'autres choses, le plus élémentaire, c'est la paix. Lorsqu'à Rutshuru, lorsqu'à Bunagana, toutes les gens, batunyon soba kenda kamba bilangana bango ba komi ko kende, lisasi ezoyo kanali susute, ata mokote mutumbo zoyo kate keno, okutani na soda zako encadrement ezali malamu. Les gens vont adopter ça et ils sont en train de le faire petit à petit. Même Mangungu oza ko sale manabute mboke no, ba jeune ombo ba za manipuler ba lobi ba sala marche ba ya koko. Ils ne disent pas qu'ils viennent chasser le M23. Ils réclament la paix. Ils réclament la paix. C'est cette paix là que tout le monde recherche. Si le AFC va le AFC wana ko pesa bango paix wana. Kalate bokomona ba ko lobake no.
Ce sont eux qui sont capables de nous gouverner, de nous diriger. Et leurs plans, maintenant, ils pourront les exécuter. Pourquoi Baza Kolinga Kosolana Kinshasa? Parce que peut-être ils ne veulent pas le bain de sang. Moi, je pense que... que ba solo na Kinshasa ezalite que non ba ya sikoyo ba chasser Tshisekedi. Non, moi je pense que ils ont quelque chose derrière la tête. C'est à nous maintenant de nous préparer en disant to sili sa to tsha manduki na se to lembisa po que bande ko boya to solo la mais na cadre nini ngo to ko solo la et comment on a sikoyo une petite révolution que ba toana ba ya ko révolutionner parce que de leur côté na place o bango bazali qui ni ezali. Le peuple qui sont là peut vous témoigner en disant que non. Depuis Batouba ou Bayaki, en tout cas, ordre koti. Matouna moutoua komi koza la na justice. Moutouna moutou ou ba commerçant bazo salama kamouna bango, eza bien. Mando keza le sousouté. Tracasserie eza le sousouté. Comparativement au phare de ceux qui sont en train de fuir, ba côté kuna. Même à Goma aujourd'hui, les gens commencent à se dire, mais. Insécurité o eza na goma eza ya liboma eza likambo ya susu ya nanite ya kosakana na ngote. Les gens commencent à se plaindre à Goma en disant que non, l'insécurité est grandissante. Moyen que ba signe nyonso wana ezali ke Kinshasa, vous devez avoir un plan. Et un plan là, c'est comme ça là que nous disons, réfléchissons et réfléchissons bien pour que nous puissions avoir une solution globale. Solution globale, on a yangwana tozolo banini. Tozolo ba solution globale ezali ke nous allons inclure les réclamations de tout le monde sur table et puis on commence à causer. Mais qu'est-ce que nous avions proposé ici? Bandeko, solution globale obiso to proposaka awa ezalaka, réorganisons le pays. Un parti politique lors des élections a dit refondons le Congo. Est-ce que ba tu as AFC baza dans le même plan T? Mais avant Elokwane Salema, il faut to yokana. Batunini ango bako yokana. Ce n'est pas Tshisekedi enanga. Non. Bien sûr que ce sont les leaders bato bazako bunda. Exact gouvernement à Kinshasa na une partie des rebelles. Les rebelles, nous savons qu'ils sont supportés par des puissances étrangères. Même ba pays voisins bazako supporté bango. Ça, nous ne pouvons pas le nier.
Mais ce que nous voyons, ce qui se passe, Ezabatouana baza supporter parce que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas avoir cette armée-là, naba matériel, naba bilokwana. Moi, je ne sais pas là où ils tirent leur force, mais il faut savoir que Batounios, surtout, Obazako Kendekuna, ils sont d'être rassurés. Les journalistes qui rejoignent, les politiciens, ils sont rejoindre Nainwana. Ils ont comme malembe, ils ont comme malembe, malembe, jusqu'à ce que. Moi, j'ai comme l'impression que Eko Kende Tiba ou comme à Kinshasa. Et ceux qui ont comme à Kinshasa, voilà la répétition de l'AFDEL que moi, je pense, je peux être wrong. Je peux être vraiment à côté. Mais moi, je suis en train de voir la répétition. Il y a Makambouya AFDEL Awa. Nous aurons encore des dettes que ces gens-là sont en train de contrôler, de contracter plutôt. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont ces gens-là qui encore tireront les ficelles en République démocratique du Congo? Ce sont eux. Nous avons vu après l'AFDEL que toutes les décisions se prenaient à Kigali. Pourquoi? Parce que Tomi Tiaki est sous homme. Et moi, je crois que la solution que M23 Oloba, Potosiri Sabaguer, Otokende na table à négociation, la communauté internationale avait dit ça aussi. Bandeko, tout utiliser Mayele na biso. Réfléchissons et réfléchissons bien. À Kinshasa, c'est ce que moi je suis en train de les appeler tous les jours en disant il est grand temps à ce que nous puissions être capables de nous dire voici la solution qui arrangerait tout le monde et nos voisins et l'intérieur. Et la communauté internationale, tout qui t'osons réfléchir, tes communautés internationales, elles ont poussé Bisokaka. Allez négocier avec vos frères. Allez négocier avec vos frères. Et nous disons que non, ce n'est pas nos frères parce que c'est le gouvernement rwandais ou bien c'est Kagame qui est en train de nous tuer. Non, nous sommes en train de nous entretuer. Banana biso bazako koufa. Ponanini parce que baoyo bazako kamba biso bazangi mayele. Moi, quand nous lisons les Mandela, nous lisons les grands penseurs ou bien les dirigeants, Balongola, Bapéina, Bangona, Bosoto, vous allez voir quelque part, ils ont privilégié la voie de la négociation. Nabaspèce Moussousou, lorsque nous disons que Eloko Yokokendeka Kanabitumba, et que nous devons absolument supporter les gens qui veulent renverser ce pouvoir ici à Kinshasa. Et que ça peut terminer comme ils sont têtus et qu'aussi la caca na bitumba. Et donc, comme ils ne veulent pas négocier et comme ils ne veulent pas réfléchir, ils seront chassés par la force. Et ça coupe ça argument na ba tu as AFC na ba M23 que non. Kinshasa lingi ba tu ba vanda te parce que bazana eloko akolu bazana solution à Congo te. Est-ce que c'est par cela que c'est pour cela qu'on peut didacte que non ba tu as AFC de tu bazana solution à Congo? Ça, c'est encore une question qui reste pendante, on ne sait pas. Parce que nga naza nga mutu a AFCT, naza mutu a M23T. Mais quand je réfléchis, quand je me dis, est-ce que Batouana vraiment, nandenge ou Basimbi Mandoki, bango balobi, to vanda to solola. Directement na mutu ya Batouana ou bazana Kinshasa bazoka nisa. Ah, soki balobi to solola, c'est-à-dire que. Mixage, nani nyonso bakoya, barwande bakoya, kokote pana biso, tout ça. Non, c'est pas ça. Na mitu na bango yango na batu ya Kinshasa bazana yango. C'est pour cela. Na mitu na bango, ezali kaka mixage, to partager pouvoir, tout ça, babilo kwana. C'est ça qui est dans la tête de Kinwa na ba gouvernement Tshisekedi. Or, nous devons nous dire que effectivement, lorsque nous acceptons que Mboka na biso eza kokende malamu te, et que à cause de cette mégestion de notre pays, que c'est la rébellion qui vient batwaza ko zala, il y a des places en République démocratique du Congo aux omituna soki lete zalakato zalakate. Parce que effectivement, Mboka etikala nango kaka nengwana. Ils se contentent des carrés miniers, de tous ces petits moyens qu'ils sont en train de recevoir par-ci, par-là. Ils se contentent de ça en disant que notre Okiko Jérémbo Kanaba minéraux ou à Katanga. Ou quelques diamants, Babilo Koumsousou. Yango Anaka Kanem Toubazako se contenter. On oublie que la richesse d'un pays, c'est son peuple.
Et le peuple, quand il est organisé, il se crée le travail. Lorsque le peuple se prenne en charge, il faut tout simplement l'État à tient ordre. L'État est à la mesure, il y a qu'à gérer Batou. Mais ça, nous n'avons pas vu ça. Depuis 2019, tout le monde est là qu'on a été. Il y a un monde qui est là qu'on a été qu'on a perdu. Pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, on a arrêté de réfléchir. Il y a une réjouissance. Donc, il y a un monde qui est là. Tout ce qui se passe dans la création des emplois. Non, ils à la caté. Qu'est-ce qu'on crée qu'on passe comme emploi? C'est bourré la dégérade avec les militants. Tout ça comme on a awa, batouaza qu'on dénonce tous ces bavures. Babylon qu'on y a ce que c'est le l'État. Ils ali cacophonie moko à kosakanate. Tout ça doit être pris en compte. Kinshasa l'obité bandeko. Nandengo tozo kende boye. Nous ne maîtrisons absolument rien. Ok. C'est comme ça que nous nous sommes dit, réfléchissons ensemble. Tout réfléchir, tout y a une solution, nous allons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Ça doit se préparer. Et pour ce que ça se prépare, les gens doivent se parler. Il faudrait que nous puissions accepter que bon, toko solo la main. Batua M23, voici la solution globale que nous voulons faire. C'est cela que nous avions proposé ici, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et comment la préparer? C'est comme ça que nous sommes dit, mutu oyako ki kozala na eloko wana ya ko diriger mboka pona ko appliquer cette solution globale, ezali mokonzi oyaza sur place Tshisekedi. Le M23, le AFC n'est pas là en niant effectivement que Tshisekedi est président de la République. Ils reconnaissent ça. C'est pour cela qu'ils sont en train même de combattre cette armée-là de FARDC, qui est pratiquement désorientée. Ils ont administré. Parce que, imagine-toi, l'armée d'un pays est capable de conquérir Bater face à la rébellion bazoko kate. C'est que yangui sous roche. Ba komi kolobaka kake non, c'est les Wazalendo qui se battent avec le M23. Les Wazalendo c'est qui? Ce sont les groupes armés que la communauté internationale a qualifié de groupes négatifs. Biloko wana yangwana toza ko communauté internationale les a ko dénigré biso. Les a ko dénigré biso parce que nous ne sommes pas sérieux avec nous. Nous avons arrêté pratiquement de réfléchir. C'est le but même de cette émission. Ce que vous avez abonné, c'est Bande Konangai. Abonnez-vous, c'est rien. Vous pouvez cliquer dans la cloche, il y a notification pour que vous ayez la succession. Comment est-ce que nous allons nous évoluer avec nos réflexions? Alors, nous nous sommes dit ce que Félix doit faire pour l'instant, parce que nous ne pouvons pas développer le pays dans ce climat ici. Il faut à ça la nini. Ngai na kanisa ki ke il faut à engager ce que nous appelons ici un dialogue national. Et concerner ba politicien te, il faut que ça concerne tous les peuples congolais en disant voici en 2028 nous aurons à passer à la 4e République. Tokokota na 4e République, mais 4e République en haut, il faut te préparer en haut sikoyo. Nous devons préparer ces 4e République. C'est par là que nous allons commencer. La 4e République entrera en fonction en 2028, par exemple. Ça, c'est je me dis, ça peut être dans 2 ans. Parce que tozo kende malamute, donnons-nous le temps. Na une année oyo, to solo lana nou bisonyo soba congolais. Et na kosolo la on a tout dégagé unité nationale. Qu'on puisse dégager ce que nous allons appeler une certaine unité nationale, na cohésion nationale, pour que le peuple congolais se connaisse d'abord. Toko koma place wana ndengini. C'est en appelant les états des lieux de chaque territoire. Les états des lieux de chaque territoire devraient avoir lié na ba territoire nyoso, les 145 territoires du pays. Bana mboka ba vanda, ba banda ko banda na likambu ya ebandeli. Biso toza banani na territoire oyo. Qui sommes-nous? Comment est-ce que nous pouvons nous connaître et puis
apprendre à vivre ensemble, signer des pactes et adhésion à la nation congolaise, parce que la nation congolaise n'existe pas. Que nous puissions nous reconnaître d'abord dans nos territoires en disant, dans notre territoire, par exemple, dans le Bakana, dans le territoire Moko, je prends comme ça au hasard, dans le territoire par exemple, il y a Lubero, qui sont ceux qui habitent dans les territoires et comment les savoir? Nous avons les Mwami, nous avons les chefs de secteur, nous connaissons nos tables au Bazarakanakati à notre territoire et dans chaque tribu, nous pouvons connaître ça. Que batouana na katia territoire ba vandi balobi a na territoire na biso, voici ce que nous allons décider pour que nous puissions vivre ensemble et que totika makambo ko bunda 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 et que toutes ces résolutions là doivent être pilotées par les gens qui sont dans les territoires. Totika to négliger lo kwanate, pourquoi nous ne devons pas négliger cette option? Parce que effectivement depuis l'indépendance on n'a pas donné l'opportunité au peuple congolais de se parler, de signer un pacte d'adhésion dans une nation. Ça n'a jamais existé. Et Zalate, c'est comme ça que nous nous sommes dit, il faut absolument que tu vendes Sabatou. Banande Bazala, je prends le Nord Kivu, dans les territoires de Lubero, ou bien dans les territoires de Niragongo, ou bien dans les territoires de Moussouswana. Batouana ba vanda, ba yebana, ba loba di, awa bisoto Zalabra, banani awa. Qui sont nos chefs ici? Qui doivent être reconnus et qui nous reconnaissons tous? Que dans chaque territoire, ils ont vraiment comme conférence nationale souveraine, Batouana Bazala ka influence, Bazala influence, Théo, Kinshasa, Lobibo, Théo. Que les Congolais se parlent en disant, pacte nabiso et adhésion nabiso, Toyo Kani Boy. Boyo Kani Wana Nakatia ba territoire. Lorsque les gens vont s'entendre en disant que Eloko Oeko Giko le Kate Awana territoire nabiso, personne ne peut pas devenir administrateur de territoire. Voici les procédures que nous mettons en place pour que Toyo Kana. Lorsque les gens vont s'entendre au niveau des territoires, c'est ainsi que ces gens-là pourront envoyer certaines personnalités au niveau des provinces pour accompagner ba texte wana oyo boyo kaniwane saliba kende ko défendre ngo na niveau ya province batuba ko kende kuneza banani. Ce sont les gens qui seront choisis au niveau des territoires en disant binonde batuba za baboza batwa mayele na territoire na biso, représentez-nous là-bas. Bako kende na ba texte wana siko na province, chaque province. Je vous dis, la configuration mondiale a tiqué la bisognoso. Eza nango. Ce n'est pas à chercher configuration ezali. Batouana ba okiko vanda maintenant au niveau à province, ba harmoniser ba texte balobi, ok, na territoire boe balobi, ba baza autant. Parce que j'ai dit ceci, les conférences, les états de lieu de chaque territoire devraient avoir comme mission nini, ya ko identifier d'abord population au niveau à podiaba territoire. Bakozala na mission, miami balé, kozala ka mi balé. Mission moko ya identification physique ya tous les Congolais. Ya ko reconnaître nani nde azalaka awa, nani nde azalaka awa te. Maintenant, deuxième mission, ekozala ya ko sala mikanda wana. Le pacte d'adhésion à cette nation-là, il y a chaque communauté, à chaque tribu. Nous avons à peu près 450 tribus où elles sont éparpillées sur toute l'étendue du pays. Et vous allez voir, peut-être, n'a qu'à expliquer dans la vidéo, Moussousou, comment est-ce que ça pourra se faire, parce que Okukuta Batou Moussousou, Banande par exemple, Moussousou, Bazana Kisangani, Moussousou, mais Bazala Kabaouti, Wapiata Bazana Kisangani, Ata Balouba, Bazana Nabukavu, Balouba, Bazana Kalemi, est-ce que c'est pas na bango te? Mais ils ont été adoptés par cette population. Okoyo Kabatou Moussousou, Balingi Batouana, parce qu'ils se sont mariés entre eux. C'est à eux-mêmes de dire que non, yo oya ko siéger. Ah, parce que toyebi ke yo koma notable, yamboka oyo. Ba Moussousou nga naebi Balouba, Moussousou, Balouba, Kinande, Bazana, Baboutembo kuna. Naebi batu msusu ba nande msusu baza na kote Ekwater kuna bakoma koloba munoko kuna ekoma bakoma ba notable kuna. Alors, lorsque vous allez rétrocéder les gens à se parler ensemble en disant awa tolingi mtu asalaka susu rébellion te, awa ko accéder na pouvoir ezali boy. Mais c'est maintenant que ça sera harmonisé au niveau des provinces, et au niveau des provinces, lorsqu'il y aura accord, il y a ko harmoniser ba 8 textes moko, nous avons 26 provinces.
26 provinces sont en sikoyo ekoya na niveau national pour tous former ensemble msusu yasika pour sur toute l'étendue du pays. Ça sera l'Assemblée nationale. Et donc ça c'est un chemin de préparation de la 4e République que moi je suis en train de suggérer ici. Je me dis boyokani ekozala kaka na ba personnalité choisie comme on a fait à San City, ça ne sera pas bon, ça ne reflétera pas likambo ya Congo et ko refléter likambo ya Congo te. Batu msusu bakoloba bande kona. Non, vous devez vous batu nyoso tout na kati ya ba territoire, ils doivent savoir qu'est-ce que nous produisons, quelle est notre force, quel est notre apport. Qu'est-ce que nous aurons comme rétrocession du pouvoir à haute Rwanda Kopesa na gouvernement central. Tout ça ici na contact pro la vie. Ngona naza koloba na batu na lobi. Veuillez vraiment vous abonner sur cette chaîne parce que nous pensons et nous continuons à croire que likambu oyo ce qui te expliquer ngo malamu et que président Félix Tshisekedi akoki ko prendre ngo en compte, c'est de là que né, je vous informe que c'est de là que né le projet de 145 territoires. Le projet de 145 territoires n'était pas aller construire un pont ou bien quoi que ce soit ou bien un puits. Vous ne considérez pas ces gens-là. Ces gens-là ne se sont jamais pris en charge. Batwana bazako kende ko construire wana bako kende kuna basuki babiloko nini kuna basali bamnani na bango soki école basala ngoma be basala ngoma be ils auront fait leur travail et puis bakimi na bango ba ils sont payés. Mais succession biloko wana, comment est-ce que ces édifices là seront pris en considération par la population à la base s'ils n'ont pas été impliqués dans la construction de tous ces projets là? Et kozalate, et kozalaka édifice mokukuna bango bazo comprendre telo koni nango pourquoi ils sont venus mettre une université à Mbujimayi. Et que université wana toyebites et ko fonctionner ndenge nini toyeb, ils ne sont pas impliqués, la population à la base n'est pas impliquée. La gestion de toutes ces histoires là devrait être s'approprier par le peuple à la base. C'est ça que nous appelons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Tous les projets qui devront se faire à l'intérieur du pays, ils doivent y avoir l'implication même na structure de base ya koloba awa créé ou takawapi mai tozwa kango ndenge nini tozwa kam est-ce que li futi wana ya bato ba toza ko futa bato ba zo sala, c'est nous qui les payons parce que c'est là qu'on a biso. Et c'est là où on va voir que non, les Congolais ba structure wana soke salemi, où nous pouvons avoir encore un autre son de cloche à Koloba, je suis en Mboka Nabiso et Zalika Kanamutu mon côté. Et c'est comme cela que moi je me suis dit, le président actuel a intérêt à initier une histoire comme ça parce que Ekope Sayepe reconnaissance à Batunyoso, parce que Bakoye Babalobi, vraiment papa Wanane Mutwazala qui père indépendant, c'est par lui qu'est venue cette idée à ce que nous puissions nous prendre en charge. C'est ce que disait Etienne Tshisekedi. Vous devez vous prendre en charge. Et na ba structure, na microstructure, et koki kozala bien géré et bien compris que Babylon konyoso e utaka na Kinshasa. Voilà, mes chers amis, nous allons nous arrêter là. C'est pour cela que je vous disais, to manquete na émission na biso ya live et kobanda kozala à partir chaque tous les deux jours. Nous allons à partir du mois d'août. Tous les deux jours. Nous aurons à expliciter cette idée ici de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Na katia tranche mokoto ko créé et ko banda kozala direct. Et nous aurons à vous donner l'opportunité de nous poser les questions ou bien de discuter ça. Et ko banda kozala direct de 19h à 20h, 1h ou 1h30 maximum. Nous allons commencer, nous allons avoir vous autres. Na tranche wana, bozo mona déjà, vous qui êtes abonné, bozo mona keno, nous sommes en train de faire tous les essais. Ça a commencé, c'est un grand travail, je vous assure, ce n'est pas facile. Et que naza vraiment nga moko mutu nazo sala biloko oyo. Donc, bato bazo sali sangai comme notre équipe, ça demande beaucoup, ça demande de l'argent, ça demande du temps et tout ça. Mais nous nous efforçons à y aller petit à petit, mais... En tout cas, totikalika na moi et loko moko, les grandes choses sont déjà en place. Il ne reste tout que ba finalisation à quelque chose, à la lumière, caméra, fixation à caméra, un bon caméra pour faire le live.
C'est ça qui nous reste. Si vous avez une caméra qui peut nous servir, en tout cas, n'hésitez pas de nous contacter parce que nous pensons qu'à partir du mois d'août, et ça, je crois que c'est dans 2 semaines, Tokobandakoya, tous les 2 jours, pour Toko expliciter la rétrocession du pouvoir au niveau de la base Elingi Kolobanini. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Botika ba commentaire. Soko komiti siko zoyo kangai, vraiment abonné. Toi, si abonne-vous, si vous n'êtes pas encore abonné. Nako sepela trop, soki bo bengi ngai, mais je vous demanderai de prendre votre mal en patience. Lorsque nous allons commencer les émissions live, vous serez avertis. Bato bazan Instagram, nous lancerons que Tokobanda Erne. Mais nous sommes en train de voir que Ekoma Ezalata à partir le 2 août. À partir du 2 août, nous aurons maintenant à venir live à partir, tous les 2 jours à partir de 19h. De 19h à 20h à 20h30. Merci beaucoup. Donc, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.